Applaudissements pour les Redouteurs. Comment ça va, Sébastien? Bah, tout va bien, on est en retard. On est en retard, ouais. Ouais, on est en retard. Donc on y va tout de suite pour la c'est notre spécialité, le retard. C'est parti, troisième quart de finale pour la battle. On envoie musique. Et Marie Ekland, l'arbitre, peut me rejoindre. Marie. Et je demande sur scène pour cette troisième battle, Live Mon, Marc, Live Mon, ainsi que Médavise, Guillaume, Guillaume de Médavise. C'est bon, Marc, t'es sur le ring. Un micro entre deux. Il y a une pénurie de micros après le repas. Donc on va essayer de rattraper un tout petit peu le retard, mais pour bien comprendre du coup les deux startups, on peut lancer, Alex, en régie, la vidéo. Bienvenue chez Granulou, la startup de David et son équipe. Leur produit, des granulés sans gluten pour poissons rouges livrés à vélo dans l'heure. Brenda s'efforce de promouvoir le site, mais ses utilisateurs se plaignent de lenteur et de bugs. Les clients sont lassés et les ventes plongent. C'est la panique. Steve, le développeur, est certain que son code n'est pas en cause. Mike, l'administrateur système, est confiant dans ses serveurs. Soudain, le site web devient inaccessible et la start-up ne peut plus vendre. Steve et Mike ont bien reçu une alerte, mais n'ont pas la moindre idée de l'origine du problème. Pour reconstituer l'historique des événements, Steve fouille tant bien que mal les journaux d'erreurs, tandis que Mike essaye d'interpréter les indicateurs des serveurs. Quant à David, il est pris en tenaille entre ses investisseurs, ses clients et son équipe. Avec LiveMon et son service de monitoring tout en un, la start-up est sereine. L'intelligence artificielle présente dans LiveMon prédit la majorité des problèmes avant qu'ils n'impactent le service. Les équipes ont ainsi le temps de les résoudre dans le calme et la bonne humeur. La centralisation automatique des journaux et logs facilite le travail des équipes. Le monitoring tout en un de LiveMon permet de renforcer la cohésion des équipes en facilitant la communication et la vue d'ensemble. Brenda peut vérifier la qualité de service grâce au monitoring externe et se concentrer sur la promotion du site. Steve est informé de la bonne exécution de son code. Mike bénéficie d'une vision d'ensemble de son infrastructure. David apprécie la sérénité retrouvée dans son équipe. L'équipe se donne à 300% pour résoudre les challenges du quotidien et à en faire la prochaine licorne. Donc, vidéo de LiveMon, pour approfondir un tout petit peu, 30 secondes Marc de pitch, s'il te plaît. Alors voilà, LiveMon, en fait, on fait du monitoring, donc on essaie d'expliquer un peu ce que c'était. On surveille l'intégralité de la chaîne de production, on va surveiller le logiciel sur votre serveur, votre site web, votre site e-commerce. On va surveiller le serveur en lui-même, la connectivité réseau qui va derrière tout ça. On va faciliter le travail de toutes les équipes derrière. On a essayé de regrouper tout ça dans un seul outil. Jusqu'à présent, sur le marché, il fallait au minimum utiliser 4 services différents, ça coûtait très cher. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment accessible à tout le monde. Merci Marc pour ce pitch. Du coup, on va lancer la vidéo de Médavise maintenant. Stéphanie a des plaques rouges sur le bras depuis 2 jours et des démangeaisons. Et ce matin, elle hésite. Doit-elle prendre sa journée pour se rendre aux urgences ou encombrer la salle d'attente de son médecin généraliste? En fait, Stéphanie va tout simplement contacter Médavise. Un clic, un coup de fil ou un mail et hop, elle choisit la spécialité. Elle peut choisir son professionnel de santé si elle le connaît déjà et il lui répond immédiatement. Stéphanie lui adresse une photo de ses rougeurs par messagerie sécurisée et il peut la rassurer. Les boutons ne suintent pas, une simple pommade de la boîte à pharmacie et tout devrait disparaître rapidement. Stéphanie est rassurée, elle peut partir travailler en toute sérénité et si jamais les symptômes persistent, elle peut rappeler sans problème. Car Médavise, chez Stéphanie, on connaît bien. Son mari a appelé la semaine dernière pour mieux accompagner sa maman malade d'Alzheimer. Et son fils a même écrit pour demander des conseils sur des problèmes plus intimes. Il sait que les informations Médavise sont confidentielles. À l'autre bout du fil, plus d'une quinzaine de spécialités médicales et paramédicales sont accessibles. Médecins généralistes, gynécologues, allergologues, pédiatres, sexologues ou encore dermatologues, ils sont là 7 jours sur 7. Pour Stéphanie et sa famille, c'est une chance, car ils habitent loin de la ville et obtenir un rendez-vous chez un spécialiste est parfois long et compliqué. Médavise leur permet un avis médical gratuit
et leur évite déplacements et frais inutiles car tout est pris en charge par l'entreprise ou la mutuelle de Stéphanie. Ok, donc un pitch Guillaume de Medavise en 30 secondes parce que Marie va devoir juger sur le fond et sur la forme du coup le pitch entre les deux. Alors, vas-y. Donc Medavise, c'est mon médecin dans la poche que j'ai en permanence. C'est une mise en relation qui est immédiate avec une profondeur d'offre. Vous avez le médecin et l'objectif, c'est que vous puissiez poser facilement toutes vos questions sur votre santé du quotidien et vos petits soucis de santé, notamment quand il est difficile d'accéder au médecin. Ok, merci. Donc Marie, c'est le premier round. Ils ont pitché. Il y aura d'autres étapes après. Alors là, sur le fond, la forme du pitch, qu'est-ce que tu préfères, LiveMon ou Medavise? C'est pitch ou vidéo ou les deux, parce que vous avez le même fournisseur de vidéo, non? Peut-être, on ne sait pas. Startup Lab pour nous qui a réussi à faire ça. Ils ont commencé vendredi, ils nous ont livré ça mardi. Ils ont fait un super boulot, on peut les remercier. Donc ouais, c'est là, la petite intro pour l'instant, ton sentiment entre les deux. Sur l'intro à l'oral, c'était plutôt Medavise. Après, sur les vidéos, les deux sont super. Bon, d'accord. Bon, on va dire un match nul. Pour l'instant, c'est une première à la Startup Battle. Alors, maintenant, on va rentrer un peu en profondeur. Deuxième ronde autour du thème de la stratégie commerciale. Guillaume, Medavise, tu peux commencer. Alors, stratégie commerciale, on a la partie française. On part en B2B2C avec trois typologies d'acteurs, les mutuelles et les assureurs, pour faire baisser leur sinistralité, les entreprises dans le cadre de la qualité de vie au travail, et puis si on peut faire baisser un peu le petit absentéisme médical, et présent sur les territoires, c'est notamment les téléassisteurs. Et pour la partie francophone, notamment l'Afrique francophone et les Français de l'étranger, c'est en B2C. Merci. Donc la stratégie commerciale de LiveMon, après Marie, tu devras du coup arbitrer entre les deux stratégies commerciales, laquelle est la meilleure? La stratégie commerciale de LiveMon, étant donné la taille du marché, la problématique souvent de la start-up qui n'est pas scaler les machines, mais scaler les humains. Nous, on se base sur un réseau de distributeurs. Là, on est en phase finale avec les deux plus gros distributeurs mondiaux. On a un gros deal avec IBM qui nous aide énormément à gagner en légitimité. La start-up n'ayant que 9 mois, le logo IBM nous aide énormément de ce côté-là. On commence, on prévoit l'ouverture d'un bureau aux États-Unis à la fin de l'année. On est en contact, on a pas mal de contacts là-bas, on essaie d'approfondir un petit peu, on va sûrement se poser sur la côte est. Ok, merci. Alors, Marie, pour toi, au niveau de la stratégie commerciale, quel point ? En fait, je pense que quand on démarre, c'est important d'être assez focus et c'est très difficile de faire à la fois de l'indirect et du direct, donc je donnerai mon point à LiveMon. 2-1 pour LiveMon. Allez, on peut applaudir toujours et on enchaîne du coup sur un second thème, 45 secondes chacun sur le Big Data. Marc, LiveMon, à toi de parler du Big Data au sein de LiveMon. Donc le Big Data, c'est la raison d'être de LiveMon. Aujourd'hui, sur un serveur, on peut monitorer à peu près 200 sondes. Quand vous avez un parc de 1000 serveurs, c'est absolument gérable. On a développé une intelligence artificielle qui va montrer en fait à l'humain derrière quelles sondes il devrait regarder. À partir de là, on a développé toute une technologie prédictive. À partir des petits signaux, une légère augmentation de la température, une latence qui augmente un tout petit peu, on arrive à détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Donc en fait, l'idée, c'est faire sens de toute cette big data, parce que là, pour l'instant, on a beaucoup collecté. Nous, l'idée, c'est d'analyser et d'aider l'humain. Ok, merci. À toi, du coup, Guillaume et David, la notion de big data chez vous. Big data, ça permet de voir la manière dont les personnes consomment la santé et d'adapter les stratégies des assurances et des mutuelles, principalement sur la typologie des personnes qui sont recherchées, enfin les spécialités. Et demain, ça permettra d'améliorer le parcours de soins. Parce que c'est vraiment notre objectif, c'est modifier le parcours de soins pour que l'entrée dans le parcours de soins se fasse de manière différente et notamment par une plateforme comme Medavise. Ok, très bien, merci. Marie, à ton avis là-dessus, le point va à qui sur ce thème-là? Toutou. je vais parler plus du potentiel. Je pense qu'il faut vraiment aller, c'est-à-dire qu'à périmètre de soins constants, ce qui peut vraiment changer la donne en santé publique, c'est d'arriver à mieux utiliser les données. Donc je le donnerai à Medavise. Ok, donc si je ne dis pas de bêtises, un 2-2 à ce stade. Dernière ronde, la question qui tue. Marc, vas-y, pose une question à Guillaume.
Est-ce que, alors, je vois bien le modèle, le côté Uber un peu de la santé, auquel j'adhère. Par contre, est-ce que tu penses que ça va être aussi facile de recruter des médecins que ça l'est de recruter des chauffeurs Uber ? Alors, les médecins, en fait, ce n'est pas notre problématique principale. C'est en volume de recrutement, on en a, et notamment via nos trois cibles, les jeunes retraités ou ceux qui partent en retraite, les personnes à mobilité réduite et beaucoup de jeunes. Et notamment, on a fait des partenariats avec des syndicats de jeunes médecins et ça nous alimente relativement bien. Ok. Alors, Guillaume, à ton tour, question qui tue pour LiveMon. Donc, avec le préventif, j'aurai plus jamais de problème informatique. On ne dit pas plus jamais, c'est le même principe que la vaccination. Bravo. Voilà, on va essayer de détecter la plupart des problèmes. Une panne de disque dur, dans 70% des cas, on est capable de la prédire. Il y aura toujours 30% de panne brute qui arrive. Le pire, c'est le redémarrage électrique. Un redémarrage électrique, on sait qu'on perd systématiquement 1% des serveurs. C'est mathématique. Donc voilà, il y a tout un tas de cas qu'on ne pourra jamais prévoir, pour des raisons évidentes. Par contre, il y en a beaucoup qu'on peut. Ok, merci à tous les deux. On va demander le vote du public. En régie, est-ce que Equal, on est prêt? Alors, on débute avec LiveMon. Alors, 8 secondes, qui préfère la start-up LiveMon? Ok, on peut. C'est bon, ça a fonctionné? Ouais, on peut basculer du coup sur mes avis. C'est parti, 8 secondes, go! Alors, c'est à titre indicatif, hein. C'est Marie qui décidera. Le gagnant est pour le vote du public. C'est le direct. Bon, on n'aura pas de vote du public, c'est ça? L'ordinateur est en digestion. Ah, le gagnant est LiveMon, c'est ça, tout simplement? J'espère qu'il n'utilise pas LiveMon. Bon, au final, c'est Marie qui décide. Si tu as d'autres questions, bah une question à poser pour... Non, c'est bon, alors, vas-y, Marie. Bah, en fait, vu ce que je vais vous raconter un peu plus tard, je vais avoir du mal à aller contre le public, donc je vais dire LiveMon. LiveMon, c'est parti, bravo! Désolé de casser l'ambiance, on a retrouvé ça, c'est un petit cache d'appareil photo, voilà, c'est à retirer ici, hein, si c'est le vôtre. Il y a aussi une voiture qui gêne à l'entrée, non je rigole. On a abordé rapidement ce matin, un peu dans les discussions, la relation entre grand groupe, je vais y arriver, et start-up. Grand groupe d'ailleurs pas forcément, on est toujours un peu sur les grands groupes, moi ça m'énerve un peu, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas grandes, mais qui ont un enjeu similaire sur l'intégration du digital. Alors, on n'a pas beaucoup d'ETI en France, il faut bien le dire, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont sur des tailles intermédiaires et qui ont des enjeux énormes. Je pense notamment à, par exemple, la galaxie d'entreprises qui entoure Airbus, dont en ce moment, on sait qu'elles bataillent pas mal pour intégrer du digital. Donc voilà. Grand groupe start-up, ceci dit, ça veut dire entreprise traditionnelle et start-up avec cette ADN digitale. Et on est ravis d'accueillir Ronan Lemoal de West Web Valley et Céline Lazoff Litchi. Ça va? Oui, toi? Ça va? T'as pas chanté aujourd'hui encore, Céline? Non, mais je me prépare à chanter. Hier soir? Elle est studieuse. J'ai beaucoup travaillé hier soir, ouais. Hier soir, on a un petit peu répété. Vous savez, pour les digitals, la pression monte. Bref,
Renan, parle-nous de Crédit Mutuel Arkéa. Tout le monde te connaît sans doute un peu ici dans la salle, j'imagine. Mais voilà, si tu peux nous refaire, tous ceux qui nous écoutent en ligne ne le savent pas forcément. Le Crédit Mutuel Arkéa, c'est un groupe bancaire régional à l'origine, qui est implanté d'abord en Bretagne, qui est né à la pointe du Finistère ici. Et un groupe qui, si je fais le pitch rapidement, est un groupe qui cherche à se développer sur ses territoires historiques, Bretagne, Sud-Ouest, Massif Central, et cherche à développer des relais de croissance partout en France et commence à le faire en Europe en cherchant des nouveaux modèles de développement qui passent par la barque blanche. On travaille beaucoup pour compte de tiers. On est, par exemple, on fait la banque en barque blanche pour Allianz Bank. On fait les cartes sur les ventes de Carrefour. On est celui qui fait le livret Peugeot, celui qui fait le livret bancaire Peugeot, livret pour Carrefour Bank, livret pour Renault, etc., etc. Et on développe beaucoup à base de numérique, parce qu'en fait, pour nous, le numérique est assez simple. On a deux qualités essentielles et basiques. On pense être agile et on pense être une boîte assez technophile. C'est une boîte d'ingénieurs. Moi, j'en suis pas un, mais elle s'est beaucoup bâtie là-dessus. Et finalement, l'agilité, la technologie, c'est des choses qui rencontrent assez bien l'univers des startups, ce qui explique pourquoi, dans notre ADN, il y a cette histoire de construction d'abord d'une banque en ligne qui s'appelle Fortuneo aujourd'hui, qui se développe partout. Et cette histoire plus récente, puisqu'elle a quelques années maintenant, de liens de plus en plus forts entre l'univers du digital et l'univers de la banque, parce qu'on pense que une partie de l'univers de la banque de demain sera faite digital, en tout cas parce que ça traverse totalement l'économie, et parce qu'on pense que ça colle bien à ce qu'on sait faire, bouger vite et technologie. Voilà. Et alors justement, tu t'es intéressé évidemment au secteur qui est un peu ton cœur de sujet, les fintech, dont tu te relèves avec Litchi, Céline, que tu as lancé il y a quelques années. Concrètement, la relation, elle a pris la forme d'un rachat, d'un mariage, et aussi d'un investissement. Donc, c'était en septembre dernier. Crédit Mutuel Arkéa a fait l'acquisition de Litchi, cette cagnotte en ligne, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui cartonne, de Litchi à hauteur de 50 millions d'euros, c'est ça ? Je ne comprends pas les chiffres, mais il paraît que c'est le chiffre qui a circulé. On peut le dire maintenant, septembre, c'est loin. Je ne sais pas, c'est toi qui dis. Hein. En tout cas, un montant intéressant. Pourquoi, Céline, avoir décidé finalement ce mariage ? On parlera après de l'investissement qui permettra du développement, mais quel a été ton mindset à ce moment-là ? Quel était le besoin pour toi ? Quel était le besoin de se faire racheter par une banque ? Alors, en quelques mots, je vais juste vous présenter ce que fait Litchi. Donc, c'est un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, que je suis sûre beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé. Qui a utilisé Litchi dans la salle ? Ah oui, quasiment tout le monde. C'est le bonheur, ça. Donc effectivement, Litchi, c'est né il y a 6 ans de cette volonté, quand j'étais étudiante, d'avoir un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs. Aujourd'hui, Litchi, c'est plus de 6 millions de clients dans 150 pays, avec un très très fort, très fort traction, bien sûr, en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, on ouvre en Angleterre en septembre, donc voilà, un rayonnement international, un service qui a beaucoup changé dans le temps, puisque au démarrage, très, très cagnotte entre copains, des cadeaux d'anniversaire, le pot de départ en entreprise, les listes de mariage, et puis sont venus aussi beaucoup d'événements de solidarité durant les attaques de Paris, 70 cagnottes pour les familles de victimes, des événements de solidarité incroyables, un bébé qui a été sauvé en quelques jours, 30 000 euros collectés qui ont permis de l'hospitaliser. Voilà, donc plein d'histoires différentes, et finalement c'est un service qui est un peu dans les moments de la vie, qu'il soit heureux, qu'il soit triste, mais qui est toujours présent à nos côtés. Donc beaucoup de bonheur. Et puis on a une deuxième activité qui est Mangopé, qui est née il y a 3 ans, qui est plus récente, qui est une activité B2B. Et en fait, le métier de Mangopé est de donner à disposition aux plateformes de crowdfunding, de consommation collaborative et aux marketplaces notre solution de paiement en marque blanche. Et donc on leur permet de faire le paiement, de stocker l'argent pendant que par exemple le projet de crowdfunding est financé, et puis de reverser les fonds aux porteurs de projet et de reverser sa commission à la plateforme. C'est plus de 1200 plateformes clientes en Europe, dans 25 pays, plus de 50% de nos clients en dehors de la France, donc aussi encore plus international. Et c'est le groupe au total 200 millions d'euros collectés l'année dernière, et on devrait doubler à peu près cette année. On est 60 aujourd'hui et on est présent dans 4 bureaux, à Paris, à Luxembourg, à Londres et à Berlin. Alors pour répondre à ta question, pourquoi l'acquisition ? Il y a environ un an, un tout petit peu plus d'un an, on s'est retrouvé dans une position où la boîte était rentable depuis plusieurs mois. Ça ronronnait bien, ça tournait bien, on finançait notre croissance, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de croissance encore à aller chercher
qu'il y avait beaucoup de demandes, que ce soit pour Mangopé, qu'on n'arrivait pas à répondre à cette demande-là, ou que ce soit sur Litchi, sur d'autres marchés, où on sentait l'ébullition, on sentait qu'il y avait des investissements marketing à faire. Et donc, on a initié une levée de fonds, qui a été probablement la levée de fonds la plus rapide de la planète, puisqu'en moins de 3 semaines, on avait 3 offres. Ça ne m'était jamais arrivé, je vous le promets. Et puis, c'est là qu'en fait, les conversations ont démarré avec CMA, d'abord autour de ce projet-là, et puis assez vite sur l'acquisition. Je laisserai Ronan expliquer le pourquoi. Mais le pourquoi de notre côté, il est que quand on est entrepreneur, ce qu'on veut, c'est trouver le meilleur partenaire au meilleur moment pour faire grandir son projet. Il ne s'agit plus tellement de nous, il s'agit d'une histoire collective, de clients, d'une entreprise. Et on s'est rendu compte que le meilleur partenaire à ce moment-là pour nous, c'était CMA, parce qu'il nous offrait la possibilité de continuer à développer l'activité comme on le sentait, et puis en même temps de nous offrir des moyens financiers et des moyens technologiques qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. On se sent parfois seul quand on est un entrepreneur. Moi, j'en ai entendu beaucoup qui me disent, en fait, on ne le dit pas souvent, mais on est très, très seul à faire des choix, des décisions. On est problème solveur tous les jours. Est-ce que c'était ton cas? Est-ce que le fait de te rapprocher d'une banque et de renom que tu connais très bien, je crois, depuis plusieurs années, c'était rassurant pour toi aussi? Alors, c'était rassurant dans le sens de l'entreprise, je pense, du projet et de la mission de l'entreprise. D'un point de vue de l'entrepreneur en lui-même, je crois qu'on est toujours seul. Ouais. Alors, concrètement, ce mariage, il est, je crois que Litchi, les équipes de Litchi restent assez indépendantes. Renan, ton souhait n'est pas de gérer opérationnellement l'entreprise de façon directe? Non, je pense que d'ailleurs, quand on parle de rapprochement entre grands groupes et start-up, il y a souvent 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas, parce que les grands groupes vont broyer les start-up qui seraient amenés à intégrer, j'utilise volontairement ce mot-là. Et puis il y en a une deuxième dont nous, qu'on essaie de développer en termes de mode de fonctionnement, consistant à dire en fait que si on identifie un business model qui fait du sens au travers d'une start-up, pas forcément qu'on n'a pas les savoir-faire, avec tout le respect que j'ai pour les équipes de Litchi, Mangopé, on aurait peut-être su technologiquement parlant savoir faire les choses. Simplement, ils avaient 5 ans d'avance au moins sur ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Une manière de le faire sur leur marché qui est faite d'agilité encore plus forte que celle d'un groupe qui demeure agile mais qui est quelque part beaucoup plus grand. Donc nous, on a considéré que c'était plus simple, et on a des atomes crochus d'ailleurs plus assez importants, de le faire par procuration avec une entité qu'on a raccordée et pas intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère, moi je considère le premier, que quand on achète une entreprise, une start-up par exemple, une autre, en général on achète un objet qui a de la valeur, qui a de la valeur au sens qui nous paraît être quelque chose qui se développe très fortement. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de s'empresser de faire tout ce qu'on a envie de faire quand on lit le manuel d'organisation, c'est-à-dire de mettre au carré en mettant les procédures du grand groupe pour dire tout ça c'est joli, ça vient dans l'armoire. Parce que si on fait ça, on a 9 chances sur 10 de casser les jouets. Donc nous, ce qu'on s'empresse de faire, c'est de rien faire. En plus, pour des feignants, c'est très bien. Et de surtout laisser l'entrepreneur mener la stratégie pour laquelle on l'a racheté. Et d'ailleurs, on fait en sorte qu'il reste au capital avec ses équipes, ce qui est le cas de Céline, parce qu'on parle de rachat, mais quelque part, la dimension entrepreneuriale reste aussi, c'est pas seulement ça, mais reste aussi parce que Céline et son équipe rapprochée sont toujours au capital. Et à partir de là, on fait les synergies commerciales qui vont bien. C'est-à-dire que moi, je considère que le marché passe une fois, pas deux. Donc l'organisation, s'il y a des choses à faire dans 10 ans, on les fera peut-être. Le marché, il y passera pas 2 fois. Donc on va chercher le marché ensemble. Là, les synergies qu'on fait ensemble, c'est les synergies notamment sur Mangopé, consistant, pour faire simple, à proposer une offre commune qui est, un, le TPE virtuel qu'on est capable de proposer, la solution de paiement virtuel avec Payline, et deux, la solution Mangopé capable, sur les places de marché, d'aller séquestrer l'argent pour compte de tiers, pour faire simple. Donc on a une offre commune. On fait ces synergies commerciales. Le cas échéant, le groupe apporte, je donne un exemple qui n'est pas forcément le bon, mais apporte éventuellement, si Céline veut acheter 40 micro-ordinateurs demain pour un groupe qui en achète 3000 tous les ans, on ne va pas se gêner, elle va faire 30% d'économie sur chaque boss, tant mieux, ça fait de mal à personne, au contraire, ça fait du bien à tout le monde. Pour le reste, on ne touche pas. On laisse faire, on laisse la fibre entrepreneuriale, on laisse l'entrepreneur avec son équipe la piloter comme il l'a toujours fait, et on est très content de voir cette constellation finalement de société entrepreneuriale continuer à se développer. Donc nous, moi je considère finalement que les gros qui font comme les petits, c'est darwinien, les petits qui font comme les gros, pardon, c'est darwinien, ils disparaissent. Je dis souvent ça. Donc il faut surtout garder son ADN et ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire la capacité à bouger vite. Ce qui est valable pour nous est valable pour les sociétés avec lesquelles on a des partenariats ou qu'on est amené à racheter. Donc voilà la stratégie toute simple comment on œuvre. Moi j'aimerais réagir sur quelque chose quand j'ai vu la news comme tout le monde en septembre dernier qui a fait du bruit, parce que d'abord parce que le secteur fintech est en pleine ébullition. Ça excite beaucoup d'investisseurs partout dans le monde et surtout à Londres et en tout cas en Europe. Vous n'avez pas eu des jalousies,
Renaud sur le, enfin Renaud et l'équipe, hein, je dis tu, mais toi et ton équipe sur le fait d'avoir rejeté un beau succès qui était déjà Litchi en termes d'utilisateurs, de nombre d'acquisitions clients, qui était déjà assez forte. On vous a pas dit, mince, on a loupé le coche, nous on aurait peut-être dû racheter Litchi avant. Je sais pas, des jalousies, je dirais pas. Il y a eu des opérations qui ont été faites juste après. Je sais pas si c'est un concours de circonstances, mais en tout cas, on a vu arriver deux ou trois autres derrière, qui étaient un peu de même nature. Alors, je sais pas si je dirais des jalousies, mais en tout cas, je dirais qu'on n'a pas fait quelque chose qui était un peu dans l'air du temps, et encore un peu toujours aujourd'hui, même si c'est de moins en moins vrai, c'est ce que je disais ce matin, qui est un peu la frénésie de tout le monde doit avoir sa fintech. Quand on parle de monde de la finance, quelque part, tout le monde doit. Mais la question, c'est pourquoi faire ? C'est bien joli de dire. Je vais faire un partenariat avec une fintech ou en racheter une, mais la raison d'être, c'est quel est le sens de ce que je peux faire en termes stratégiques pour moi. Donc on a vu des acteurs se précipiter effectivement sur quelques cibles. On a d'ailleurs vu au passage les valorisations de certaines fintech devenir un peu, selon moi, un peu trop élevées au regard de la maturité des business models. Mais nous, on reste fidèles finalement à la ligne qu'on s'est tracée. On intègre des entreprises ou on achète des entreprises ou les savoir-faire quand ils rentrent effectivement pile poil dans la stratégie qu'on s'est donnée. Alors après, de là à dire qu'on a fait des jaloux, je ne sais pas, on a vu le marché pas mal s'exciter derrière. Nous, encore une fois, on a vu plein de dossiers arriver après. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu encore plus que d'habitude passer et j'en ai refusé encore sans doute plus que d'habitude parce qu'ils ne correspondaient pas à la stratégie, ils étaient trop chers ou ils étaient trop éloignés de ce que nous, on est capable de faire. Parce que n'oublions jamais que soit ça vient compléter effectivement une palette de nos métiers, c'est le cas en l'occurrence s'agissant de Litchi et de Mongopé, soit ça nous permet d'aller explorer des métiers sur lesquels on n'est pas encore tout à fait avec un business model totalement différent. Donc c'est les deux cas d'espèce dans lesquels nous, on va ou faire un partenariat ou acquérir une fintech. Si ça ne rentre pas là-dedans, on ne le fait pas. Céline, une question très simple que tu as déjà eu entendre, mais je pense qu'elle est pertinente. Comment tu expliques qu'une banque, une institution bancaire, je vais dire, n'ait pas pensé plus tôt à répondre à un besoin aussi primaire, je dirais, aussi simple, aussi basique que la collecte d'argent entre amis ou entre utilisateurs qui, à un moment donné, ont un lien en commun ? Une enveloppe qui se balade dans une soirée pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est quand même surréaliste, non ? Comment tu l'expliques ça ? Tu me mets dans une position délicate, là. Je pense que le marché bancaire, de façon générale, est un secteur et une industrie qui a été assez peu challengée pendant un certain nombre d'années. Si je dis des bêtises, surtout, tu interviens. Parce qu'assez peu de compétition et beaucoup d'accords de mise en place où chacun a son secteur d'activité et peu de challengers pour venir bousculer tout ça. Et moi je crois de façon fondamentale que la compétition est saine parce qu'elle nous rend meilleurs, elle nous oblige à innover, elle nous oblige à repenser, elle nous oblige à courir plus vite que l'autre, et donc de fait dans une industrie qui était florissante mais assez peu challengée, et ben, il y avait peu de nouvelles idées qui émergeaient. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, et c'est certain que l'idée de Litchi, qui n'est autre que le plus vieux métier de la banque, encaisser de l'argent pour le compte d'un tiers, c'est quand même un des plus vieux métiers de la banque, aurait dû peut-être être inventé par une banque. Et puis bon, ça n'a pas été le cas, et c'est d'ailleurs assez marrant parce que moi, quand j'ai démarré et que j'ai cherché une banque partenaire, j'ai pendant 6 mois fait la tournée des banques, j'étais à l'école, et on me disait « Ah, mais en fait, ce que tu veux faire, c'est une banque ». Et je disais, bon, ouais, peut-être, enfin, je m'en fous, en fait. Et on me disait, ah, d'accord, peut-être ce serait mieux que tu commences par un stage chez nous. Alors ça, j'ai eu beaucoup de stages offerts, mais assez peu de contrats. Et en fait, ce qui est assez rigolo, et je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, la banque qui nous a ouvert la porte, c'est Crédit Mutuel Arkéa. Et finalement, 6 ans plus tard, nous voilà réunis. Et je trouve que c'est une belle histoire parce que finalement, il n'y a pas de hasard. Il y avait déjà une ouverture d'esprit de la part du groupe qui était différente des autres banques. Et puis après, on a collaboré pendant 5 ans. Et ce que j'aimerais aussi dire et qu'on oublie, c'est qu'une acquisition dans un sens comme dans l'autre, je pense, ou en tout cas dans le nôtre, mais je suis sûre que c'est le cas dans l'autre, c'est une question de personne. Parce qu'il faut faire confiance. À un moment donné, on se jette dans une nouvelle aventure. Pour nous, c'était une transition humaine. On était très proches, moi j'étais très proche, Ronan le sait, de mes actionnaires avec qui j'avais eu beaucoup l'habitude de collaborer, de me faire épauler. Et donc il y avait un vrai changement structurel. Et on remettait un peu notre avenir dans les mains du groupe et dans les mains de Ronan et de son équipe. Et on savait qu'on avait entièrement confiance. Et ça, sinon, on ne l'aurait jamais fait, je pense.
Il y a 10 millions d'euros d'investissement de la part de Crédit Mutuel Arkéa pour accélérer le développement de Litchi et MangoPay. Bien sûr, en fait, donc, ce qu'on souhaitait, c'est, effectivement, c'est continuer la belle histoire, donc continuer à faire en sorte que Litchi et MangoPay puissent continuer à se développer. Donc, le projet, ce n'était pas juste faire une prise de participation en capital. C'était ça, et Céline voulait d'ores et déjà, à l'époque, elle l'avait dit clairement et heureusement, continuer l'aventure de la croissance. Donc, on investit effectivement 10 millions d'euros côté de Céline et de son équipe pour permettre à Litchi et MangoPay de se développer. D'un mot, je voulais revenir sur ce que disait Céline sur les banques, parce que je partage ce que disait Céline. Je pense que les banques aujourd'hui traversent trois choses assez fondamentales. C'est une baisse de leur marge drastique parce qu'il y a le réglementaire, la fiscalité qui pèse très lourd, une reprise du pouvoir par le consommateur qui est un vrai sujet important, et puis le troisième point, c'est l'arrivée d'acteurs qui viennent verticaliser nos métiers, comme par exemple Litchi. Mais le deuxième item, il est hyper fort parce que ça veut dire que pendant des dizaines d'années, non pas dans la relation du conseiller avec son client, qui a toujours été d'une très grande qualité et c'est toujours le cas, mais dans la manière dont le marketing a été pensé vis-à-vis du client, les banques, je pense, ont pris beaucoup de retard. Et donc, elles ont un gros travail à faire par rapport à ça. Et c'est notamment pour ça que des acteurs comme Litchi et comme d'autres ont compris que la valeur était sur la couche haute, finalement, de la relation avec le client. Et c'est comme ça qu'elles ont capturé, effectivement, des business sur lesquels nous ne sommes pas. Parce que sous la techno, encore une fois, il n'y a pas de raison qu'une boîte qui ait des moyens importants et des ingénieurs très intelligents ne sache pas faire. Donc, je crois que c'est ça le point fondamental. Après, pour être capable de bâtir quelque chose ensemble, moi je rejoins Céline dans le sens où le côté intuitif personnel est hyper important. Quand on parle des relations entre guillemets de grands groupes ou entreprises classiques, on va dire, avec les entreprises du digital, moi je pense qu'il y a un sujet qui est très important, c'est d'avoir des codes communs, de parler de la même chose, de la même manière, d'être capable d'être plus circuit court effectivement et de ne pas rentrer dans des process très lourds. Moi, il n'y a rien de pire quand je vois beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ou d'autres moins jeunes qui ont des startups, je refuse jamais un rendez-vous. Je suis très frappé quand ils me disent que ça se passe bien, en tout cas ça peut mal se passer parfois. Quand ça se passe bien, ils me disent ce qui m'a plu, c'est on s'est vu très vite, le rendez-vous s'est bien passé, tu m'avais dit qu'il y aurait un retour dans 15 jours, ça n'a pas été une semaine, mais ça a été 15 jours et pas 3 mois, tu m'as dit qu'un tel, un tel me ferait tel ou tel, et ça s'est fait, et puis quelque part, dans la relation avec tes équipes, c'est assez souple, ça se passe bien, on a vraiment une tenue des délais, on a pas des langages qui, effectivement, paraissent totalement ésotériques, et ça, je crois que ça peut paraître bizarre à dire, mais il y a beaucoup d'incompréhensions qui naissent d'une espèce d'espéranto, là, qui ne serait pas trouvé entre les deux univers. C'est tout l'enjeu de la transformation digitale, voilà, des entreprises au sens large. Je crois que ce qui est à gagner, d'abord, c'est ça. Ça paraît tout simple et tout bête, mais je crois que ça fait beaucoup, en tout cas, dans la relation qui s'est tissée entre Litchi et le Crédit Mutuel Arkéa, ça fait beaucoup pour que ça marche. Et on n'aura pas le temps de développer sur la notion de réforme d'appel d'offres aussi des entreprises à l'adresse des startups, justement, parce que ça, c'est un enjeu majeur de pouvoir savoir comment on conclut un contrat avec une jeune entreprise qui n'a pas forcément encore toutes les références et qui ne rentre pas dans les cases. On ne parlera pas non plus de la législation du travail qui n'est pas forcément adaptée au monde des startups. On n'aura pas le temps de développer ces sujets majeurs aujourd'hui, mais en tout cas, on peut débattre sur Twitter. Merci beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on respecte le planning. Merci Ronan, merci Céline. Merci Marion. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ne sont pas très très connus dans la région, le Télégramme et Ouest France, qui connaît ? Non, pas très connu. Et nous allons accueillir deux représentants de ces fabuleux journaux de presse quotidienne régionale qu'on aime beaucoup. Alors, je ne sais pas qui j'appelle sur scène, j'avoue, là, je suis complètement larguée. Alexandre, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Je crois que c'est une battle. C'est une battle, alors ce n'est pas le bon slide. C'est une battle ou pas ? Allez, présentez-vous. Ravi. On est très spontané, on fait ça très simplement. Je vous donne un petit micro. Pour vous faire gagner un peu de temps. voilà. Donc, Edouard Codurier, PDG du groupe Telegram. Philippe Tout-le-Monde, directeur général délégué de Ouest France. Bon, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du West Web Festival, messieurs ? Écoutez, belle réussite. Bravo, je n'avais pas pu venir l'année dernière, mais je trouve que c'est... C'est un bel événement et puis je trouve que c'est tout le principe aussi d'échanger, de remettre un petit peu en perspective les choses, d'avoir de nouvelles idées, etc. et de pouvoir se rencontrer. Globalement, le thème, la digitize or die, ça vous parle un peu et ça vous dit quoi justement ? Grand vent d'optimisme pour répondre à la question, et ça fait du bien. Et puis la transformation, c'est ce qu'on vit au quotidien dans nos industries traditionnelles. Parce que les médias ne sont pas exempts non plus de ces enjeux-là. Il faut se transformer aussi. On est en plein dedans, c'est le grand enjeu du moment. Pendant,
En deux minutes, pour parler très, très concrètement, nous, on a investi 50 millions d'euros depuis une douzaine d'années sur de nouvelles activités, et beaucoup par acquisition, et notamment dans des start-up, dans du numérique, pas seulement dans du numérique, mais on était tout à fait dans les débats qu'on entendait juste avant, et je souscris totalement à ce que disait Ronan Lemoyle, mais sur donc, la façon dont on doit discuter avec les entreprises avec lesquelles on est amené à travailler dans le futur et respecter leurs projets, leurs stratégies, etc., tout en leur apportant du plus. Mais derrière ça, le grand enjeu, c'est véritablement la transformation de notre métier de base, qui est un métier au départ papier, et qui, auquel au début, on a eu tendance à plaquer sur le numérique. Ça date déjà de 96, hein, pour le Télégramme, on a lancé le site début 1996, donc plus de 20 ans. Et on a eu tendance à plaquer un peu des modèles classiques du papier sur le numérique, et même dans un second temps à continuer à voir le numérique surtout comme un support, comme de nouveaux supports de diffusion, et en fait c'est une transformation complète. Et pour ça, justement, on a besoin de tout cet apport d'idées, de nouveaux modes de fonctionnement, de marketing complètement repensé, que nous apportent les startups et d'une manière générale tous les acteurs du digital, parce que notre oui, c'est ce que j'allais vous dire. Tu vas voir le gong, Edouard, tu vas voir le gong. Voilà. Ouais. Est-ce que ça fédère finalement d'être un peu... sans être dramatique, mais qu'il se passe quand même des choses sérieuses, il faut s'adapter, sinon on meurt, clairement. Est-ce que ça vous fédère entre vous, entre titres, entre maisons de presse ? Oui, moi je pense que c'est une chance pour nos territoires d'avoir deux marques et deux groupes de la qualité du Télégramme et d'Ouest France. Et on a la chance, je crois, aussi de travailler sur une matière première qui est exceptionnelle, c'est l'information. Donc c'est vital au quotidien pour le citoyen. Et donc, on a pendant un siècle eu un support assez naturel, qui était en tout cas économique, qui était le papier. Et le digital est une formidable opportunité pour élargir notre audience et aller dispendre cette valeur ajoutée vitale et essentielle pour le citoyen, plus large. Et impliquer évidemment vos lecteurs, ceux qui vous suivent, mais sur d'autres réseaux qui sont complémentaires du support papier. Complètement, je crois que la relation, c'est plus un rendez-vous le matin, c'est une relation toute la journée autour de l'information, de service, et c'est vrai que tous ces apports des licornes, comme vous les appelez, sont utiles parce qu'elles peuvent bénéficier aussi de nos apports métiers, de nos apports d'audience pour accélérer leur développement. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort, les patrons Ouest France et Télégramme, merci beaucoup. Alors, si tout va bien, nous passons maintenant au quart de finale en Startup Battle. Est-ce que j'ai bon ? J'ai bon. Hello. Quatrième quart de finale. Ronan. Merci à tous. Quatrième quart de finale. Tiens, Ronan, positionne-toi ici en tant qu'arbitre de ce dernier quart de finale. Donc, Augmented, Acoustique et Lokiz. Peut-on lancer la première vidéo, Alex ? C'est parti pour Augmented, Acoustique, un reportage télé. Avec du son, c'est possible. Mettez sur vos oreilles. Il faut notre boîtier, le Peeble, qui permet la retransmission multipiste du concert. Certains améliorent la compréhension du spectateur, d'autres font tout pour combler le mélomane. Il faut un casque que vous mettez sur vos oreilles. Il faut notre boîtier, le Peeble, qui permet la retransmission multipiste du concert, que je connecte. Avec l'application smartphone, je vais pouvoir piloter le boîtier. Paramétrer le son selon ses goûts et prendre la main sur l'ingénieur du son, une réalité plus que virtuelle. Moi, je trouve ça génial comme idée. C'est un rêve qui se réalise. Par exemple, je trouvais que quand le solo de trompette était fini et qu'il faisait des effets, c'était trop fort. Donc là, je me suis permis de le baisser. Pour le moment, ce prototype est testé dans certaines salles, mais déjà le public en redemande. On a eu des personnes même sceptiques qui ont voulu faire le test. Et quand ils nous ont rendu le casque, ils nous ont dit « mais je ne sais pas comment je vais faire maintenant sans ». D'autant plus qu'il permet de se passer des bouchons d'oreilles, car il suffit simplement de baisser le volume général.
Ok, merci. Du coup, Stéphane, un petit pitch en 30 secondes en complément de la vidéo. Bonjour à tous. Imaginez, ce soir, vous allez voir les insus aux Vieilles Charrues. Vous êtes un peu éloigné de la scène. Donc, vous mettez notre système et vous allez pouvoir bénéficier du son haute définition sorti de console. Vous avez envie de savoir ce qui se passe sur la scène à côté où il y a Gizmo qui joue. Vous changez sur l'application et vous écoutez un petit peu pour vous dire est-ce que ça m'intéresse de me déplacer. Puis non, vous avez décidé de rester sur votre scène, vous réglez un petit peu le volume et vous vous rappelez que vous êtes batteur et que vous avez envie d'entendre un peu plus spécifiquement Richard Kolinka. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir isoler le solo de batterie de Richard. Merci pour ce complément d'infos. Maintenant, avec Saphir, on va parler de Loki's. Vidéo de Loki's, Alex. J'ai une maison à mettre en location, comment trouver des locataires? C'est facile, connecte-toi sur loquise.fr, c'est gratuit. Dépose ton annonce en moins de 3 minutes. Loquise, c'est simple et efficace. Les locataires entrent les critères de recherche, ils trouvent le logement qu'il leur faut, puis il leur suffira de déposer un dossier de candidature. Et comment ça se passe après? Tu recevras le dossier de candidature avec toutes les infos nécessaires. Tu n'auras plus qu'à accepter ou refuser la mise en relation. Et si je veux vendre ma maison? C'est aussi facile. Tu peux même te connecter sur ton smartphone. Super! Connectons-nous à loquise.fr. Application disponible sur la Haute-Normandie, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Alors, un petit complément d'information pour tous les acteurs de l'immobilier qui sont du coup dans la salle. Alors, le pitch? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Saphir Hanafi. Et comme vous avez bien pu voir sur la vidéo, Loki's, c'est une plateforme de mise en relation simplifiée entre propriétaires et locataires, mais nous avons voulu aller encore plus loin, transformer tous les particuliers comme vous en apporteurs d'affaires immobiliers, avec un principe qui est très simple. Lorsque le propriétaire dépose son annonce sur Loki's, il indique le montant d'une commission de son choix. 1 euro ou 100 euros, c'est à lui de choisir. Et n'importe quel internaute peut partager l'annonce à la personne qui pense vouloir le logement et gagner la commission. C'est vraiment ça aujourd'hui le principe de Loki's. Merci, on peut les applaudir sur le pitch. Alors Rodan, deux sujets bien différents, sur le fond et la forme du pitch, à qui tu donnes le point? Sur la forme, peut-être je le donnerai à Loki's effectivement, mais sur le fond, je trouve que la démonstration d'augmented acoustique est plus pertinente, me semble-t-il. En tout cas, ça me rend plus curieux. Voilà. Match nul, un partout pour ce premier round. Ok, on va enchaîner du coup avec un premier thème. Vous allez du coup parler de votre marché pendant 45 secondes. Stéphane, augmented acoustique. Le marché potentiel est considérable. Il y a 500 millions de spectateurs qui vont à des concerts chaque année dans le monde pour un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars. Et c'est un marché qui est en constante croissance puisque c'est là où sont générés le maximum de revenus sur la musique. Donc nous, on a cette vision globale, mais pas seulement sur le concert lui-même pendant le live, mais également à distance. C'est-à-dire qu'on rencontre pas mal d'acteurs, notamment tous ceux qui font des retransmissions de concerts, qui sont intéressés par la possibilité de donner cet accès, ce nouvel accès aux multipistes depuis chez soi. Merci Stéphane. Je vois là le groupe de musique qui écoute beaucoup augmented acoustique. J'ai l'impression que tu as des arbitres derrière toi, Rodan. Loki, c'est parti sur le marché. Alors nous, concrètement, pour le marché, en fait, on vise tout le monde. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui recherche un logement, qui cherche à déménager. L'idée aujourd'hui, c'est de monétiser notre réseau. Si on arrive à trouver un logement pour une personne que l'on connaît, on gagnerait une commission. En faisant ça, on aiderait le propriétaire à louer ou vendre son logement beaucoup plus rapidement, avec une commission qu'il a fixée librement à l'avance, et bien sûr, gagner de l'argent. Si Uber a réussi à transformer les particuliers en chauffeurs de taxi, nous pouvons transformer les particuliers en agents immobiliers. Merci. Il n'y a pas de parti pris. Ouais. C'est évident. Alors, Ronan, par rapport au marché, à qui tu attribues le point? Alors, pour être totalement honnête, en fait, à Loki's, mais pourquoi? Comme je dirais, parce que ça paraît assez clair comme promesse, mais surtout parce que je trouve que le cas d'usage décrit par Augmented Acoustique ne me paraît pas effectivement celui auquel j'aurais pensé spontanément. On peut en voir plein derrière, mais je trouve que l'idée du concert, j'en voyais d'autres qu'on aurait imaginé, qui était plutôt la déclinaison que vous apprêtiez à évoquer juste après. Donc, c'est surtout pour ça. Je trouve que le cas d'usage n'est pas exactement celui auquel j'aurais pensé. Donc le point va Loki's. À Loki's. 2 à du coup pour Loki's. Deuxième
thème de cette battle. C'est tellement important pour les startups de nouer des partenariats. On commence par Lokiz. 45 secondes, c'est parti. Alors, pour le partenariat, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier ici présents. Alors, contrairement aux rumeurs, Lokiz n'est pas là pour détruire les professionnels de l'immobilier. Au contraire, les professionnels de l'immobilier devront utiliser Lokiz pour vendre ou louer plus rapidement. Ça les aidera justement, au lieu d'avoir un négociateur en place dans l'agence, ils auront tous les internautes qui pourront les aider à vendre ou louer des biens. Et tout ça au profit du propriétaire. D'où nos partenariats. Aujourd'hui, nous recherchons Orpi, Century 21, ERA, ici présent dans la salle, pour nouer des partenariats. Ok, merci. Augmented Acoustique, pardon, les partenariats, c'est alors parti. Nous, on a monté plusieurs partenariats, déjà avec Bose, qui sont intéressés par notre technologie, non pas parce que ça leur permet de vendre plus de casques, mais parce qu'on va pouvoir collecter les informations de ce que font les utilisateurs avec leurs casques. On a également monté des partenariats avec Alcatel, qui nous a fourni notamment des tablettes, des smartphones pour faire nos démonstrations. On travaille aussi avec Alcatel pour réduire nos immobilisations parce qu'ils nous permettent d'utiliser des moyens de mesure qui sont chez eux. Et on est en train de monter un partenariat avec une société américaine qui est sur la retransmission d'événements live en VR et souhaite même nous racheter. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Enfin, c'est là où ils sont en train de se positionner à présent. Voilà. Donc on monte des partenariats stratégiques avec ces grands groupes pour à la fois réduire nos investissements mais également nous ouvrir de nouveaux accès. Merci. 45 secondes chacun, on respecte la règle. Ronan, là-dessus, sur les partenariats. Augmenter l'acoustique, parce que je pense effectivement peut-être que les partenaires évoqués sont ceux qui permettront de trouver le cas d'usage qui ira bien à la solution. Ça marche. Alors, la question qui tue, Stéphane, dernier round. Question qui tue pour Lokiz. Eh bien, en fait, il se trouve que moi, j'ai ma famille qui travaille dans l'immobilier, j'ai ma sœur et ma mère qui travaillent dans l'immobilier, et ça fait quelques années que je leur parle de cette révolution numérique. Et à chaque fois, ils me disent... Mais un acheteur, il a besoin, il sait pas forcément, il pense savoir ce qu'il veut, mais en fait, c'est l'agent immobilier qui va l'aider à comprendre ce qu'il veut. Et donc, je me demandais si vous aviez fait des études de marché par rapport à ça et comment vous vous positionnez, puisqu'il disparaît un petit peu. Alors, avant même de faire des études de marché, en fait, je suis complètement né dans un domaine de l'immobilier. Mon père était marchand de biens, j'ai fait 2 ans de droit immobilier, une licence en gestion de patrimoine, un master 1, un master 2 en école de commerce. Donc avant de sortir ce projet-là, ça a été bien mûri, bien réfléchi. Il faut savoir qu'il y a 60% des transactions, même si ce n'est pas les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, 60% des transactions qui se font entre particuliers. Nous aujourd'hui, ce n'est pas conseiller le particulier, mais c'est surtout faire la mise en relation entre le propriétaire et le futur acheteur, en mettant tous les outils en place pour le propriétaire pour louer son bien dans les plus brefs délais. Merci. Alors, à ton tour, question qui tue pour Augmented Acoustique. Alors, la question qui tue pour moi, c'est comment tu as fait pour passer sur M6 ? En fait, on bénéficie d'une belle couverture média. On est aussi passé sur France 2, parce qu'en fait, le projet séduit. D'abord parce qu'il répond à une problématique qui est vraie. Il y a une problématique sonore en concert. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de personnaliser le son. Et donc, en fait, dans les milieux des médias, ça parle à beaucoup de personnes et notamment les ingénieurs du son de ces équipes qui viennent tester la solution et qui sont conquis à chaque fois. Donc voilà, c'est du bouche à oreille. C'est... Ok, merci à tous les deux. À titre indicatif, du coup, vote du public. On commence par Lokiz. Merci. Alors, maintenant, c'est parti pour Augmented Acoustique. Go ! Alors, le gagnant est... Augmented Acoustique pour le public. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de professionnels de l'immobilier dans la salle. Attention, ne dégrade pas le modèle. Alors, Ronan, la décision t'appartient pour la demi-finale. Je pourrais répondre comme Céline tout à l'heure, qui effectivement croit à la foule et donc dire que c'est Augmented Acoustique. Mais pour autant, je confirme effectivement Augmented Acoustique parce que autant je ne suis pas convaincu par la description qui est faite du cas d'usage numéro 1,
Autant, je pense, effectivement, quand on évoque les partenariats et la solution, je suis persuadé qu'il y a des applications, sans doute, qu'on n'imagine même pas, qui peuvent le faire d'une très belle solution comme ça. Donc, c'est assez séduisant. Donc, voilà, alors, vainqueur, augmented acoustique. Bravo tout le monde. Merci les Redouteurs. Bon, je vais tenter un truc. Allez, je vais tenter un truc. Petite Marie. C'est quoi la suite? Allez, vous chantez avec moi? Un, deux, trois. Petite Marie. Ah ben non, vous chantez avec moi. Pierre, aide-moi s'il te plaît. Un, deux, trois. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as jeté sur ma vie des milliers de roses. Marie Eklund, s'il vous plaît. On va tenter. Salut. Ça va? Oui. Bah non, c'était pour la chanson en fait. Mais... Ah d'accord. Je te dis bonjour aussi. Rapidement, avant que tu développes ton sujet. Co-fondatrice de Daphni, nouveau fonds d'investissement très entrepreneurial, très évidemment centré sur la techno, basé à Paris, mais avec pas mal de... Tu vas nous expliquer, je pense, aussi ce qu'est Daphni. Et puis, co-fondatrice aussi de France Digital, syndicat des startups, c'est un peu comme ça qu'on le définit. Et puis, tu as été précédemment chez Elaya Partners, qui avait notamment sourcé Criteo. Donc, tu connais bien cet univers-là. Donc, je te laisse la parole, le micro. Merci beaucoup. En plus d'être héroïne de chansons, en fait, je fais des prêts. Donc, j'ai même fait une prêt. Je suis assez fière, donc j'aimerais bien qu'elle arrive. Mais... Voilà. Ah non, presque. Si. Voilà. Donc, bonjour. On m'a demandé de parler de... est-ce qu'il fallait se digitaliser ou mourir, ou disrupter et mourir, tout ça. Donc, j'ai commencé par faire... Je veux bien... Il y a un truc pour passer ou je fais des signes discrets comme ça? Super, très bien. De commencer à regarder ce qui se passait en fait, parce que si on se pose la question de est-ce qu'il faut se digitaliser ou mourir, c'est qu'on est en fait en grande période de transition. Donc la question c'est qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment et quelles sont ces nouvelles règles du jeu-là. Et en regardant de plus près, évidemment, il est où le truc? Il faut que je tire par où? Par là, ok. Ouais. En regardant ce qui se passe, évidemment, il y a cette grande vague profonde de disruption. Et on a vu que ça commençait par des secteurs qui étaient assez faciles à désintermédier, tout ce qui est médias, tout ce qui est culture, et puis de plus en plus, ça va vers des choses qui sont finalement qu'on imaginait moins. Quand on regarde ce que fait Google en ce moment dans la santé, dans les automobiles, dans tout ça, on se rend compte que finalement, petit à petit, c'est vraiment des nouvelles règles qui sont très profondes dans la manière dont finalement l'économie agit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à créer des nouveaux champions qui sont à la fois européens et américains. Donc c'est pas du tout, même si on s'est toujours dit que ça vient des US, mais finalement on arrive quand même en Europe à créer des champions, et que quand on s'intéresse aux différentes règles du jeu qu'il faut avoir en tête maintenant pour arriver à faire son trou dans cette nouvelle économie, on se rend compte qu'il y en a plusieurs, mais elles se concentrent autour de deux principales. La première, c'est que maintenant, il faut être compétitif au niveau international. Même si vous n'allez pas à l'étranger, les gens viennent. C'est bien une boîte qui est née à San Francisco qui vient perturber les taxis parisiens. Donc il y a cette notion que en termes de qualité de service, de qualité de produit, c'est à ce niveau-là de compétitivité qu'il faut se situer. Il y a un niveau d'exigence et d'excellence qui a augmenté, et c'est à cause de ça finalement qu'on a besoin de plus innover, qu'on a besoin d'avoir une agilité dans l'organisation, une rapidité qui est largement supérieure. C'est parce qu'on a un niveau de compétitivité qui est accru par l'internationalisation de l'économie de manière générale. Le deuxième autre grand pilier qui entraîne les autres critères, c'est celui dont parlait Ronan, qui est de dire finalement maintenant c'est user-centric, c'est-à-dire qu'on va chercher une économie d'usage, on va chercher les gens dans leur usage personnel ou dans leur usage professionnel,
Et c'est ça qui fait que ben, y a une volumétrie qui explose. On est face à des plateformes où finalement, ce qu'on va valoriser, c'est la relation utilisateur et l'ouvrir à d'autres partenaires et constituer des écosystèmes de partage. Et que pour arriver à faire ça, ben, finalement, il faut beaucoup d'investissement. La bonne nouvelle pour moi, qui suis investisseur dans les startups, c'est que dans ces périodes de transition, les marchés s'ouvrent. C'est beaucoup plus facile pour un petit de devenir grand quand il y a des périodes de transformation que dans des marchés qui sont plus fermés. Et que donc c'est une opportunité superbe pour arriver en tant qu'investisseur à financer des choses qui ont un potentiel, qui ont un très gros potentiel. Mais pour arriver à faire ça, il faut avoir confiance d'une chose, c'est que même dans notre propre secteur, les choses bougent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le capital risque en lui-même soit épargné de ces nouvelles règles du jeu. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de changements qui ont eu lieu et qui affectent le monde du capital risque comme elles affectent les autres industries dont on a pu parler avant. Et typiquement, sur l'amorçage, il y a cette désintermédiation classique où on voit les plateformes de crowdfunding où on se dit que finalement, si un investisseur c'est juste flécher de l'argent d'en haut vers le bas et qu'il n'y a pas de valeur apportée à ce niveau-là du nœud, il n'y a pas de raison que les gens qui s'éduquent et puissent prendre leurs propres décisions d'investissement et que donc il y ait beaucoup de développement sur les plateformes de crowdfunding par exemple. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites aussi dans les très jeunes étapes au niveau des accélérateurs en se disant ce qu'on va arriver à faire nous, c'est d'échanger, d'aider à constituer les sociétés et de leur donner en échange du service une capacité d'agir à ce niveau-là de la chaîne. Donc il y a eu beaucoup de transformations dans la chaîne du capital risque avec des modèles qui, en fait, sont assez disruptifs. Quand vous regardez Andreessen Horowitz, en fait, c'est un fonds qui a été monté par deux entrepreneurs dans la vallée et qui n'existait pas il y a 5 ans. Et aujourd'hui, il gère 5 milliards. Donc, on ne sait pas s'ils vont avoir faire des meilleurs investissements que les autres, puisque ça, il faut un horizon de temps qui est plus long. Mais d'un point de vue marketing, pour lever des fonds, ça marche très bien. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils se sont dit, nous, au niveau du nœud, ce qu'on va amener comme valeur, c'est qu'on va arriver à mutualiser beaucoup de services pour nos startups. Donc on va embaucher en interne des recruteurs, des business developers, des gens qui vont gérer vos relations presse pour les startups, des meilleurs graphistes, etc. Et on mutualise tous ces gens-là pour les startups dans lesquelles on investit, ce qui leur évite de les embaucher eux, de les embaucher elles d'ailleurs, et ce qui permet d'augmenter la valeur, etc. Donc eux, ils ont une proposition de valeur qui est très différenciante par rapport à d'autres fonds, qui est de dire non seulement je vous amène de l'argent, mais en plus, je vous donne accès à toute cette plateforme de services, qui sont tous les gens que j'ai recrutés moi pour vous aider, et qui font que vous avez tout intérêt à vous choisir moi en tant qu'investisseur que n'importe qui d'autre. Donc c'est intéressant parce que là, ils se sont mis à la place des entrepreneurs en se disant moi, si j'étais entrepreneur, qu'est-ce que je voudrais qu'un investisseur m'apporte ? Donc c'est très user-centric en fait, mais en se disant, ou customer-centric, mais en se disant moi, mes clients, c'est les entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le capital risque, il y a eu d'autres mouvements aussi, mais qui sont aussi dans le mode customer-centric, mais au niveau de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on a deux clients, on a les gens à qui on va faire gagner de l'argent, on espère, en tout cas qui nous confient leur argent, et puis il y a les entrepreneurs, parce que les bons entrepreneurs choisissent leurs investisseurs. Donc nous, on a une double équation à résoudre, qui est de dire comment est-ce qu'on apporte de la valeur à la fois aux gens qui nous confient de l'argent et aux entrepreneurs qu'on va financer. Et donc d'autres types de réponses qui ont été amenées, on peut les voir plutôt dans la partie late, mais plutôt aux investisseurs à ce moment-là, qui étaient de dire, moi ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est qu'à partir du moment où vous investissez dans mon fonds, je vais vous donner l'option de co-investir à mes côtés dans les meilleures boîtes. Ça s'appelle les Opportunity Fund. Et donc il y a eu d'autres types d'évolutions comme ça, qui ont permis d'apporter finalement une proposition de valeur différente à là, cet autre type de client qui était les investisseurs des fonds. Donc il se passe en fait beaucoup de choses dans le monde du capital risque, même si on a l'impression que finalement c'est un métier qui est qui est un peu vu comme le monde, qui est très artisanal au démarrage et qui a beaucoup de mal à scaler. Et en regardant ça, on s'est dit, mais finalement, moi quand j'étais partie d'Elaya et puis avec mes autres associés, comment est-ce que nous on va se positionner à l'intérieur de cette chaîne-là, puisque ça bouge de partout, et comment est-ce qu'on répond à ces nouveaux critères de cette économie-là, qui sont qu'il faut être compétitif au niveau international. Ça veut dire quoi être compétitif au niveau international? Ça veut dire que si Daphne est en compétition avec Sequoia, Index, Axel ou
Andreessen Horowitz, Daphne peut être choisie par les bons entrepreneurs. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est très compliqué, en fait. Ça veut dire comment est-ce qu'on vend une proposition de valeur différente, sachant qu'ils auront toujours une meilleure marque, parce qu'ils arrivent, ils disent, ben, moi, j'ai fait Google, moi, j'ai fait Facebook, moi, j'ai fait tous ces trucs-là. Hein. Donc, c'était cette réflexion-là. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour arriver à se positionner dans l'échelle de disruption, il y a une première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qui ne change pas. C'est-à-dire, sur quoi on peut s'appuyer? Sur quoi est-ce qu'on peut construire? Et la première chose qu'on s'est dit, c'est que comme c'est une économie d'usage, la première chose sur laquelle il faut construire, c'est l'ADN des sociétés européennes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que parce qu'une start-up est née en Europe, elle aura plus de chances de réussir que si elle était née ailleurs? Si elle était née aux US, si elle était née en Chine, etc. Et que comme c'est une économie d'usage, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est justement l'ADN des sociétés. Et en Europe, on se rend compte qu'on a un premier pilier qui est le collectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive assez bien à cartographier les grands succès du numérique sur les trois piliers dont je vais vous parler, les numériques européens. Le premier, donc, c'est le collectif. En Europe, ça se voit dans la qualité des infrastructures, que ce soit télécom, transport, énergie, dans le fait que quand on réfléchit éducation, santé, assurance, on réfléchit de manière inclusive. Vraiment pour tout le monde, quoi. Et dans le fait que l'économie collaborative est beaucoup plus utilisée en Europe qu'ailleurs. Quand vous regardez le nombre d'utilisateurs d'Airbnb, etc., on est à 60%, c'est bien meilleur qu'ailleurs. Le bon point, 25% d'utilisateurs actifs, il n'y a que 19% sur l'équivalent américain Craigslist. Donc, premier truc, on veut faire société sans du collectif. Deuxième grand pilier, la qualité de vie. On cherche des équilibres de vie entre vie perso, vie pro, qui sont beaucoup plus poussés et qui développent des industries comme la culture, comme tout ce qui tourne autour de la gastronomie, un sentiment exacerbé autour de la vie privée, et puis évidemment et du bien-être, et puis tout ce qui est tourisme, voyage, etc. Donc qualité de vie en deuxième grand pilier. Dernier grand pilier, ce qu'on appelait l'inventivité, pour inclure à la fois une dimension créative, d'excellence créative, la mode, le luxe, qui est un savoir-faire qu'on a historiquement en Europe, mais aussi une dimension technique, parce que même chose, on a des ingénieurs d'extrêmement grande qualité, on a toujours inventé. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment c'est des spécificités géographiques, ou est-ce que si on appliquait exactement la même vision du monde aux États-Unis, par exemple, on trouverait la même chose? Et quand vous regardez ce qui se passe aux US, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes vecteurs. Qu'aux US, il y a beaucoup de start-up qui se créent autour de la thématique de la productivité. Comment on fait en sorte que les gens à l'intérieur de l'entreprise travaillent mieux ensemble? Comment on fait en sorte pour que chaque rôle soit une performance optimale à l'intérieur des entreprises? Comment on utilise la data pour prendre des meilleures décisions business? Donc productivité, grand pilier aussi, grand moteur de création entrepreneuriale et de création de valeur aux US. Deuxième grand pilier, ce qu'on a appelé empowerment, qui est cette capacitation des individus à faire, à entreprendre dans leur vie. Donc c'est un peu le pendant du collectif, hein, mais qui a beaucoup de qualité aussi, mais vraiment c'est se mettre en avant sur les réseaux sociaux, se défendre soit à titre personnel, soit au niveau de la nation, optimiser son temps en consommant en temps réel, etc. Et dernier grand pilier, le divertissement avec Hollywood en alma mater, en mère nourricière de tout un écosystème de réalité virtuelle, de grands médias, d'animation, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, bah, finalement, ce qu'il faut, nous, bah, c'est qu'on travaille nos forces, et qu'on travaille nos valeurs, qu'on travaille notre ADN, et c'est comme ça qu'on aura beaucoup plus de chances à être compétitif au niveau international, parce qu'on a une expertise, on a une excellence que les autres n'ont pas. Et donc, appuyons-nous là-dessus. Deuxième chose sur laquelle on s'est appuyé, en se disant, ben, finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à disrupter et à scaler dans cet univers-là, en s'appuyant sur des fondamentaux auxquels on croit? Eh bien, c'est en utilisant vraiment les armes profondes du numérique, à savoir l'intelligence collective, et à savoir aussi le fait que ça permet d'être multiculturel. Et donc, au tout démarrage finalement de cette nouvelle aventure entrepreneuriale, on s'est dit, il faut mélanger les compétences. Et donc, pour arriver à faire en sorte qu'un capital risquaire amène autre chose que uniquement j'ai pensé au bon moment à te connecter à la bonne personne, comment on utilise l'intelligence de la foule? Bien, finalement, en créant une communauté, donc avec les vrais leviers communautaires historiques, donc avec des gens qui savent faire ça, et à les connecter sur une plateforme numérique, et donc avec des gens qui savent faire un produit, qui savent faire des plateformes, et qui arrivent finalement à mettre tout le monde autour de cette plateforme-là pour amener plus de deals,
pour analyser avec plus d'expertise autour et le faire de manière qui peut scaler et qui du coup peut être pensée au niveau international. Voilà, donc c'était en fait à partir de ce constat-là, historique, enfin initial, qui est de se dire ben, finalement l'économie numérique, quels sont les grands principes de disruption et les grands critères qui aujourd'hui sont ces nouvelles règles du jeu qu'il faut satisfaire pour être compétitif dans son secteur, qui sont ben, cette notion d'être compétitif au niveau international et d'être user-centric. Comment est-ce qu'on peut bâtir une offre autour de ça ? Bien, un, en comprenant les fondamentaux qui ne bougent pas et sur lesquels on peut construire. Deux, en mélangeant finalement ces différentes cultures, compétences pour arriver à se numériser avec ce qui est dur à faire, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de bosser ensemble tous ces gens-là. Et enfin, à construire autour de nous cette communauté qui permet de scaler, qui permet d'avoir des sondes un peu partout à l'international et qui permet d'avoir à la fois sur ce qu'on peut amener aux boîtes et sur l'expertise accessible pour prendre des bonnes décisions d'investissement ou pour aider la construction du deal flow et des entreprises à grandir. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je suis ouverte aux questions parce que j'ai pas du tout utilisé mes 20 minutes. Quentin Leeds, il est top. Et c'est quelqu'un de l'ancien monde. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il ne pense pas le web carré, pointu, noir et blanc. Ah, merci. Mais... Sinon, Marie, tu restes un peu dans les parages. Je reste. Hein, donc Marie se baladera. Peut-être que vous pourrez chanter avec Marie aussi. Il adore chanter, hein, Marie. Oui, moi, c'est... Oui. Je suis à fond, mais bon, moins que toi. Toi, tu as fait une entrée remarquée. Merci beaucoup Marie Eklund, merci de Daphne. Vous a parlé des digitals. Ah oui, bravo, 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 bravo. On vous a parlé des digitals. On va lancer une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a préparé ces dernières semaines. Le concert, c'est demain. Voici un petit aperçu. C'est parti. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole au cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Dans des montgolfières, des géants et des petits sommaires. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des bips dans les poches, j'ai 10 ans. Les fils et des cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. C'était la toute première répète. Hein. En France, on fait des belles choses. On fait de la tech, de la bonne tech, avec un niveau de dev qui est super bon. Qu'est-ce qu'on fait ? La voile. La voile, c'est génial, vous le savez. On est parmi les meilleurs au monde. On n'a pas peur de le dire. Et puis la gastronomie, bien sûr. Et on innove dans la gastronomie, dans la valorisation de ces belles tables, des grands chefs, des restaurants de grands chefs. Et on est ravis d'accueillir Anne-Christelle Perrochon,
de BIM. BIM, qui est une start-up qui a été lancée il y a quelques temps. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est parti, ça marche. Allô ? 1, 2. Bonjour à tous. Allez, BIM, c'est parti. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc BIM, c'est une application qui permet de réserver et de payer dans les meilleurs restaurants disponibles autour de vous. BIM, ça a commencé en fait avec un voyage à Tokyo, il y a 2 ans. Et comme beaucoup de personnes, un voyage, c'est souvent l'occasion de découvrir de bons restaurants. Sauf qu'au Japon, ne parlant pas la langue, n'ayant même pas de téléphone, j'ai eu beaucoup de mal à y accéder. Et qu'on soit au Japon ou ailleurs, en réalité, c'est difficile. Personne n'a plus envie de prendre son téléphone pour passer un coup de fil et essayer de réserver dans un restaurant. De toute façon, seulement 8% des tables sont réservables en ligne. Et les 8% que je présente ici concernent principalement des acteurs qui vont proposer des tables dans des restaurants qui sont habituellement vides. Alors que BIM a pour vocation de permettre à des gens d'accéder à des tables dans des restaurants souvent complets. Voilà l'expérience qu'on a construite autour de ce problème. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner les meilleurs restaurants de chaque ville. Donc, on fait ça avec des experts, donc beaucoup de chefs, de critiques gastronomiques, et on va retrouver sur BIM des adresses d'excellente qualité à tous les niveaux de prix. Ces restaurants-là, vous pouvez les découvrir donc, avec l'application que vous pouvez télécharger, qui s'appelle BIM évidemment. Et vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour choisir, avec des photos en haute définition, un menu, des informations sur les chefs, parce que l'humain est au centre de notre concept. Dans un second temps, on a une palette de services qui va permettre d'une part de réserver et surtout de réserver une table, mais cette table finalement c'est une opportunité qu'on vous offre, puisqu'on s'adresse on vous permet d'accéder à des restaurants qui habituellement nécessitent 1 ou 2 semaines d'attente avant d'avoir une réservation. Là, vous allez pouvoir visualiser instantanément les tables disponibles. Je prends un exemple au Septime à Paris, où habituellement il faut 3 semaines pour obtenir une réservation. En un clic, vous allez réserver et obtenir votre table. Le process dure à peu près 3 secondes, donc même au milieu d'une réunion, vous pouvez réserver pour votre dîner de ce soir. Il y a une dernière étape au restaurant qui est un peu problématique, qui est celle du paiement. Donc, aujourd'hui, on peut passer une journée entière sans sortir sa carte bleue. Ça arrive souvent, en fait, grâce notamment à Uber ou Deliveroo, où finalement, on ne subit plus, il n'y a plus de friction au moment du paiement. C'est exactement ce qu'on a voulu faire avec BIM. Donc, au moment du paiement, vous allez recevoir votre note par notification. En un clic, vous allez payer votre addition avec votre carte bleue qui est préalablement enregistrée. Si vous êtes avec des amis, vous allez pouvoir partager la note. Certains connaissent certainement le sketch de Muriel Robin, donc le paiement de l'addition ne sera plus un problème. Et puis vous recevez votre facture par mail, ce qui évidemment est très, très pratique, notamment pour les déjeuners et dîners d'affaires. Il y a un deuxième problème auquel on s'adresse, c'est celui finalement qui concerne les restaurateurs. Donc comme je vous le disais, on va travailler avec des restaurants qui sont souvent complets. Malgré ce taux de remplissage très élevé, ils vont souffrir chaque jour de 20% d'annulation de dernière minute ou de no-show, donc des gens qui ne se présentent pas sans prévenir. Et c'est particulièrement problématique pour ces restaurants qui sont très demandés, puisqu'ils ont finalement passé une bonne partie de leur journée à refuser des clients. Donc on a construit une application, finalement une interface qui est connectée en temps réel avec les restaurateurs et qui leur permet de proposer leur table annulée à la dernière minute en 2 clics, de notifier leurs meilleurs clients, donc il y a une dimension CRM dans BIM, donc ils vont pouvoir notifier leurs meilleurs clients qu'une table vient de se libérer et le client n'a plus qu'à la réserver très rapidement, et puis ils vont recevoir des informations qualifiées sur les clients qu'ils vont recevoir. Donc
La restauration étant l'un des derniers secteurs épargnés, entre guillemets, par les outils de Yield, BIM permet au restaurant, finalement, de cibler des clients avec des tickets moyens plus élevés. Et puis, c'est un outil de fidélisation, c'est-à-dire que vous allez avoir, en tant que restaurateur, l'information sur le nombre de visites effectuées par le client, éventuellement le ticket moyen qu'il dépense habituellement, et puis s'il préfère le vin de Bourgogne ou toute autre préférence. Donc, on a lancé, donc la société a été créée il y a un an et demi, après une grosse analyse de marché, une phase de bêta assez approfondie, et puis la création d'une communauté d'environ 5000 membres, vraiment grâce au bouche à oreille. On s'est lancé vraiment il y a 3 mois. Donc 3 mois après, on référence 6000 restaurants dans 12 villes et on engrange à peu près 200 signatures, donc 200 restaurants payants chaque mois. Puisque c'est notre business model, j'y reviendrai après. Ces restaurants-là, comme je vous le disais, ça va être vraiment à tous les prix, donc de 15 euros jusqu'à 150 euros le repas. Leur point commun, c'est vraiment la qualité. Côté client, puisqu'évidemment, il faut jouer simultanément sur les deux tableaux, on a aujourd'hui 35 000 utilisateurs actifs chaque mois. On double à peu près notre base d'utilisateurs chaque mois. Et ce qui est intéressant, c'est le taux de rétention qui s'élève environ à 60%. Donc ce sont des utilisateurs qui, après le téléchargement, vont se servir de l'application plus de 2 fois dans le mois qui suit. Pardon. Notre cœur de cible est plutôt donc, âgé entre 25-50 ans, CSP+. Mais au-delà de ces critères un peu académiques, sont surtout des gens qui aiment voyager, manger, qui sont en recherche de qualité et surtout de spontanéité. Ça nous a valu une mise en avant sur l'App Store. D'ailleurs, juste avant de monter sur scène, j'ai découvert qu'on était de nouveau mis en vedette sur l'App Store aujourd'hui, dans les applications françaises, donc on est contents. Et puis un certain nombre de parutions presse, ce qui alimente évidemment notre croissance. Notre business model, c'est vraiment basé sur un système d'abonnement. Donc les restaurateurs vont nous verser 39 ou 69 euros par mois pour accéder aux services de réservation. On a un objectif clair, c'est que cet abonnement soit rentable pour eux dès le premier mois, puisqu'on va leur apporter des clients avec un ticket moyen élevé et leur éviter une perte considérable de chiffre d'affaires sur des annulations de dernière minute. Donc, 69 ou 39 euros par mois, plus 1,50 euros par couvert pour le restaurant. Et puis, pour l'utilisateur, j'ai un petit problème, c'est gratuit. Voilà. Pour l'instant, c'est gratuit de toute façon, donc profitez-en. Hop. Ah, je crois que j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà. Et donc, pour l'utilisateur, c'est 1 euro par couvert. Pour l'instant, gratuit. À terme, on facturera certainement les réservations. De la même manière qu'on va acheter un coupe-fil pour accéder avant tout le monde à une exposition au Grand Palais. Le marché est considérable. Uber s'appuie sur un marché d'environ 100 milliards de dollars par an. Le marché de l'hôtellerie représente quant à lui à peu près 717 milliards. Et celui de la restauration, 3500 milliards. Donc c'est considérable. Maintenant, nous, on se cantonne à la partie premium et à elle seule, elle représente l'équivalent du marché des taxis. En termes de time to market, donc on a, je dirais, un enjeu clé, c'est de garder un coût d'acquisition par utilisateur inférieur à 1 euro. Et pour ça, on va activer 4 leviers principaux. Le premier, ce sont les partenariats en B2B. Donc là, je fais référence à tous les acteurs qui permettent aux restaurateurs de gérer leur salle, leurs outils d'encaissement, etc. Et qui nous permettent évidemment de nous greffer sur des portefeuilles clients existants. Le deuxième biais, c'est le referral, donc la recommandation, le bouche à oreille. Et donc pour le bouche à oreille, je vous parlais de l'expérience de paiement. Évidemment, c'est un enjeu au niveau de l'expérience, mais c'est aussi pour nous un excellent moyen de fidéliser et de recruter. Recruter parce que 5 euros sont offerts sur la première addition et fidéliser puisqu'on crée en fait en quelque sorte le premier programme de fidélité dans la gastronomie
et on peut accéder à certains stades qui nous donnent droit à des privilèges, à des places prioritaires ou à des cadeaux par des partenaires. Les partenariats B2C maintenant, donc en l'occurrence, on veut créer une expérience extrêmement fluide, on veut digitaliser l'expérience client. Et on s'inscrit dans la continuité de ce que peut proposer Uber ou Airbnb. Donc c'est le type de partenariat évidemment qu'on a en tête et sur lesquels on travaille. Dans chaque ville, il y a une analyse qui est faite au cas par cas. Donc Paris est un marché qu'on connaît particulièrement bien, mais on identifie des partenaires clés dans les villes envisagées par la suite pour se lancer rapidement et efficacement. L'équipe aujourd'hui, le cœur de l'équipe est composé par 6 personnes. Mon CTO, Jonathan, et mon directeur artistique, Thomas, qui sont aujourd'hui cofondateurs avec moi de BIM. On travaille ensemble depuis un an, qui ont aussi, on partage le goût pour le travail bien fait. On a la même envie de faire d'un projet, français, un projet global, évidemment. Et puis, on est en pleine accélération commerciale. Donc, on vient de recruter 2 commerciaux, que vous voyez juste derrière moi, et une directrice des partenariats. On a finalisé un premier tour de CID en début d'année, qui nous a permis justement d'amorcer ces recrutements, d'investir dans la communication et dans tout ce qui nous permet de croître. On a la chance d'être soutenu par des investisseurs qui nous épaulent au quotidien, qui sont source de conseils, de réseaux et de bien d'autres choses. Et là, on prépare pour la fin de l'année une nouvelle levée de fonds afin de scaler à l'international. Donc pour finir, et je vais rebondir avec ce que disait Marie, on s'appuie aujourd'hui aussi sur une spécificité culturelle qui est une force aujourd'hui. En tant que Français, on a la chance d'avoir une culture gastronomique extrêmement riche et on va capitaliser sur cette culture gastronomique et sur une vision qui est de digitaliser l'expérience de la réservation et du paiement de restaurants. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et on va respecter le planning, mais tu restes aussi. Je sais que tu restes dans les parages, donc comme ça va être la pause, si vous êtes intéressé par BIM, et l'app est dispo. Elle est dispo, sur l'App Store et le Play Store. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, c'est Download BIM. Voilà. Exactement. Donc Anne-Christelle reste dans les parages, sera ravie de répondre aux questions, si vous avez des questions. On va se retrouver dans 15 minutes pour une petite pause, d'abord. Merci Anne-Christelle. Merci. Les Redouteurs, un petit morceau. À tout à l'heure, merci. Come on.